Radio 1, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Salut tout le monde, et ben moi c'est Weida. Encore une fois, on va faire la classe, on va travailler la jambe aujourd'hui et un petit peu les fesses. D'accord? J'espère que vous êtes prêts, installez-vous, vous avez besoin d'un petit espace libre. Rappelez-vous qu'on va faire un petit peu le cœur et puis on va travailler la jambe qui va brûler un tout petit peu. D'accord? Allez, on commence tout de suite. Très bien, on va commencer tout de suite l'entraînement. Écartez vos jambes doucement. Vous poussez vos fesses derrière, vous relâchez vos mains au sol et vous levez les fesses. Remontez doucement, enroulez, je vous monte en profil. Poussez vos fesses derrière, penchez-vous complètement. Respirez, remontez. Ressentez à l'arrière les jambes. Doucement, descendez. Très bien, ramenez. On fait ça encore une fois. Allez, descendez. Doucement. Gardez la jambe si vous pouvez, bien sûr, tendue. Et remontez, déroulez. Bravo. Allez, doucement. Allez. Deux. On est en forme. Si vous avez fait les autres entraînements, bien sûr, vous allez pouvoir aller un peu plus vite que moi. D'accord? Ou bien sûr, vous allez trier doucement. Il n'y a pas de souci. On continue. Come on. Rappelez-vous, c'est que l'échauffement. Petit travail de jambes qui va brûler un peu. Doucement, lève les talons. Rappelez-vous, on est là pour s'amuser. Alors, vous pouvez bouger vos mains. Amusez-vous avec la musique. Très, très bien. Un peu plus haut. Continuez, continuez, tape tes fesses, derrière, encore. Vous sentez que le cœur commence à monter? Alors c'est parfait. Doucement, regardez-moi bien, la jambe droite, la jambe gauche. Vous envoyez la jambe derrière, ramène, la jambe derrière, ramène, on y va. Derrière, ramène, encore. Maintenant, les jambes plus vite. Si tu ne peux pas, tu vas plus vite derrière. Ok? Garde ton dos droit et ouvrez. Maintenant, continuez. On va aller la distance entre vos jambes. Vous allez essayer d'augmenter. C'est pas grave, t'inquiète pas. Tu peux toujours aller plus loin derrière, mais doucement, sans impact. Doucement, tiny run. Doucement. C'est normal que le cœur monte, ok? C'est tout à fait normal. Bien. Je pense qu'on est prêt. Stop. La jambe derrière. Vous ouvrez la poitrine, vous voyez, même si vous perdez l'équilibre, reprenez-vous. La main à taille, tu descends la jambe derrière et tu remontes. Restez où vous êtes. La jambe derrière et tu remontes. Un grand pas derrière et tu montes doucement. C'est genou derrière qui descend vers le sol pour remonter. Derrière, descend. Encore. Up again. Je transpire, je travaille et je me concentre avec la jambe. J'ai oublié de dire, on travaille les jambes et les petites fesses. Un, deux, un, encore deux. Yes! Encore un comme ça? Maintenant, reste là. Restez. Regardez le genou devant qui est aligné avec orteil. Tu veux la main à taille? Tu fais des petits mouvements. C'est tout, des petits mouvements.
Voilà, tu remontes pas complètement en haut, tu restes en bas. Appuie dans les deux jambes. Talon derrière, vous remarquez, c'est levé. Mes talons derrière sont levés. Allez-y. Continuez. Ça brûle, hein, je vous dis que ça va brûler. Doucement. Ramenez derrière, on y va, devant. C'est que la jambe gauche. Donc bougez. Pardon. Ramène. On y va un peu plus vite. On bouge seulement la jambe gauche. Ok. Seulement la jambe gauche. Derrière. Je suis sûre que vous voulez aller un peu plus vite. Stop. Tes fesses, moi je le sens déjà. Oh là là, très bien. Il y aura deux parties avec la jambe droite, deux parties avec la jambe gauche. Allez, go! Bravo, tu pousses bien ta jambe derrière et tu respires. Ne bouge pas l'autre jambe. Dans 3, dans 2, vous bloquez derrière, bloquez. Remarquez que je redresse ma jambe, je lève talon derrière, je mets la main à la taille. Descendez, en bas, en haut, en bas, en haut. On y va. Down, and up, en bas. Continuez, descend, montez, encore. Yes! Vous pouvez le faire, je suis sûre. Allez les gars. Deux, tu bloques en bas, reste là. Et ne bouge pas. Ouvre ta poitrine et relâche ta main si tu veux respirer. La jambe pliée. Si tu veux pas aller aussi bas, c'est pas grave, tu es là. Mais là, on travaille plus. Petit. Très bien. Tu descends. Des petits mouvements. Guys, damn. On y va. Je le sens. Très bien. Tu pousses. Allez plus fort. Ça dépend de l'intensité que vous voulez y aller. Tu pousses ta jambe plus fort derrière. Et continue derrière. Pas grave même si t'es là. C'est pas grave. 8 secondes. 7. Encore 4. Encore 3, 2, 1, et marche doucement, respire, très bien. Je vous ai dit, c'était seulement celle-là que vous avez sentie. Maintenant, c'est celle-là qu'on va sentir. Ah ben, l'isolation. Oui, derrière. Tu bouges que la jambe derrière. C'est juste pour adapter la jambe. D'accord? Remarque que je touche avec orteil. Des petits mouvements. Maintenant, j'en vois plus loin. Bien, reste derrière. Et tu gardes talon derrière levé. Tourne ta poitrine. Avec genou le dos. D'accord? Lave la taille. Ouvre ta poitrine. Descendez. Bravo! Tu descends et tu montes. Tu descends et tu montes. Encore. C'est pas grave, même si tu perds l'équilibre à un moment donné. Reprends-toi. Tes abdos sont là. Oui, plus bas. Bravo. Encore. Vous pouvez le faire. Yes. Il nous reste encore 5 comme ça. Allez les gars. Oui, très bien. Donnez-moi 2. Donnez-moi 1, tu restes en bas, là, ne bouge pas. C'est la même chose qu'on a fait avec l'autre jambe, vous vous rappelez? Bloquez et ouvrez la poitrine. Bien, tu lèves talon bien derrière. Ça commence à piquer. Dans 3, dans 2, 1, regarde. Voilà, et tu
qui roule doucement, doucement. Vous pouvez le faire, je suis sûr. Regardez-moi. Hop, derrière, ramenez. Derrière, ramène. Je te rappelle de ça. On va le faire doucement avant. Très bien. Derrière, ramenez. Derrière, ramenez. Encore. On va accélérer. Ne bouge pas celle-là. Ne bouge pas celle-là. Regarde, regarde. Ne bouge pas celle-là. C'est que ça qui bouge. C'est que la jambe droite qui bouge. Un peu plus. Secondes encore, 4, 3, 2, 1, stop. Très bien, on reprend, descend, en bas, montez, en bas, montez, encore. Bien, je vais bien me mettre en profil pour que vous voyez l'espace entre les deux jambes. D'accord, c'est très important. Grand espace, je mets mes deux mains, mes orteils sont en dessous. D'accord, descend. Remonte. Plus bas, plus bas. Allez, allez. Rappelez-vous que c'est que 10 minutes, les gars. C'est que 10 minutes. Moi, je transpire. Comme vous voyez. Tout le monde, bloc en bas. Tourne. Tu es forte. C'est pas beaucoup. 10 secondes seulement. 5 secondes encore. Tu es dans ta main? La main à taille, 3, 2, petit petit. Et vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, presque fini. Continuez, prêt, derrière, derrière, on y va. Explosé. T'inquiète pas, tu peux retourner au sol. Hop. Mais tu sens ta jambe. Tu sens tes fesses. 8 secondes encore. 8. Bravo, bravo. 3, 2, 1 et marche. Très bien, respire, respire. Secouez la jambe. Un tout petit peu. Good. Maintenant, écarte ta jambe. On a fini. Ouvre le genou et ouvre ta poitrine. Épaule droite, épaule gauche. Très bien. Épaule droite et épaule gauche. Tourne complètement. Amenez la jambe droite devant. Allez chercher à attraper orteil. Si tu ne peux pas, attrape plus bas que genou. Changez l'autre. Pareil. Good job. Now, petit travail de balance que vous allez travailler samedi. Ouvre ta poitrine et reste comme ça. Soyez là samedi. Yoga. Changez. L'autre. Ouvre la poitrine. Si vous voulez faire des séances plus grandes que ça, je propose sur Tetranes, ma page Facebook ou Instagram. Vous pouvez suivre. D'accord? Merci beaucoup. Bye bye. On se voit samedi. Radio 1 sur le www.ra.mu.